C'est ça, Flo. Hein. Oui, Montpellier, une ville universitaire, ça tout le monde le sait. En revanche, que cette ville recèle de véritables trésors enfouis sous la poussière et qui sommeillent comme à l'université Montpellier 2, qui est l'université des sciences et techniques. Alors on y est allé, avec un chiffon à poussière, dans les caves, les sous-sols, pour y découvrir un patrimoine, mais à faire pâlir d'envie n'importe quel muséum d'histoire naturelle. Malheureusement, ce sont des collections qui sont en déshérence, faute de moyens pour les entretenir et pour les exposer au public. Eh ben, espérons que ça aille plus loin grâce à vous aujourd'hui, hein, Florent. Allez, regardez. Donc ça, c'est du carbonifère du Pakistan. On a du dévonien d'Allemagne et des États-Unis. La spécialité de Pierre-Olivier Antoine, c'est de faire parler les fossiles. Et ici, dans les réserves de l'Université des sciences et techniques de Montpellier, il y en a des milliers. Pour le paléontologue, cette caverne d'Ali Baba recèle de véritables trésors. Voilà, ben ça par exemple, c'est un bloc qui vient du gisement de Rainy en Écosse. Et en gros, dans ce bloc, on peut découvrir les plus anciennes araignées, les plus anciens insectes terrestres et les plus anciennes plantes qu'on trouve sur Terre. La pierre de 415 millions d'années a résisté au temps, bien mieux que ces armoires décapitées il y a quelques semaines par des ouvriers méconnaissant la valeur des objets entreposés, des fossiles qui n'ont pas livré tous leurs secrets. L'empreinte a un nom, elle s'appelle, elle représente un Dimetropus digitigradus, c'est-à-dire l'animal qui marchait sur les doigts, mais on ne connaît pas l'animal qui a produit cette empreinte précisément. Mystère. C'est un vrai mystère. Dans ses sous-sols, le campus conserve ainsi à l'abri des regards d'immenses collections. Petite visite guidée pour le patron de l'université. De paléontologie et d'ethnographie de l'université. Alors tu vois, on a des squelettes d'animaux actuels, et puis des fossiles. Voilà, donc ça c'est une dent fossile d'un cousin éteint des éléphants, qui s'appelle un mastodonte. Et qui se situait où ? Ah, cette dent, elle a été découverte dans le sous-sol de Montpellier au moment de travaux au 19e siècle. Voilà, ça, c'est un président impressionné par ce patrimoine scientifique, mais qui n'a pas les moyens de le valoriser ni de le montrer au public. Pendant trop longtemps, on a oublié cette mémoire de nos collections. Et certains d'ailleurs sont en grande difficulté en termes d'environnement, que ce soit inondation ou autre. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de considérer que c'est un atout remarquable qu'il faut absolument valoriser. Certaines collections servent encore aux chercheurs qui viennent du monde entier, mais d'autres sont aujourd'hui à l'abandon et leur contenu est tombé dans l'oubli. On ne connaît pas bien l'inventaire spécimen par spécimen de ces collections du sous-sol. On ne sait pas exactement ce qu'il y a et il y a encore beaucoup de trésors à découvrir dans des collections qui prennent la poussière. L'exemple le plus parlant est dissimulé dans ce lieu improbable. Et c'est ici qu'on a stocké les spécimens de la collection de la station biologie marine de Seine. Dans ces bocaux poussiéreux, une collection d'animaux marins sommeille depuis une trentaine d'années dans des conditions de conservation plus que précaires. Ah, nul. Ah, y a des œufs d'insectes, il y a des pupes. Ah, le problème, c'est que si on n'y prend pas garde, ça va complètement contaminer le reste des collections. Ça, c'est dommage. Ces collections sont le fruit du travail des chercheurs et des dons qui les ont enrichis au fil des siècles. Un patrimoine en danger qui continue de s'étoffer. Cet été, Pierre-Olivier Antoine part en expédition à la recherche de nouveaux fossiles en Amazonie. Incroyable. Et un petit coucou à Pierre-Olivier Antoine, justement le paléontologue, qui est rentré sain et sauf d'Amazonie. Il n'a pas été mangé par les crocodiles. Écoute, mais c'est incroyable hein, ce que tu nous as présenté là, Florent. Tu as été chercher des choses merveilleuses. Merci beaucoup, Florent.